Et bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de House of Ashes. C'est parti, on contrôle le capitaine, le commandant plutôt. On va fouiller. Alors, c'est quoi ça? Résultat requis d'urgence. Officier de terrain en charge, Rachel King. Confidentiel. Le groupe d'enquête devenant opérationnel aujourd'hui, il est impératif de rappeler le caractère capital du succès de cette mission. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Les forces américaines se sont engagées à mettre un terme à la menace qui font peser les armes de destruction massive irakienne sur la communauté internationale. Tant que nous n'aurons pas prouvé l'existence de ces armes, nous ne pourrons pas justifier notre invasion aux yeux du droit international. Avec la fin des hostilités, le risque de voir le gouvernement détruire les armes de destruction massive est accru. Le groupe d'enquête devra agir et identifier rapidement les sites et le personnel lié à ces armes. Nous devons rassurer nos alliés au sein de la communauté internationale sur la fiabilité de nos services de renseignement. Nous attendons vos rapports, signatures, Simon Feller, chef des opérations du groupe spécial, directeur des renseignements. Je ne vais pas regarder derrière, mais je crois qu'il n'y avait rien. Parler. Vous croyez qu'on va trouver Ali le chimique sur ce site? S'il est dans les parages, on coincera. Le risque en vaut presque le coup. Presque? Bah, en fait, je préférerais quand même être derrière un bureau. Si ça tourne mal, on pourra au moins compter sur les renforts aériens. Je suis sûr qu'on n'en arrivera pas là. Vous semblez confiant. Vous semblez surpris. Ok. Alors ça, c'est quoi? Logo de CENTCOM, le 5 mai 2003, objectif du groupe d'enquête, conseil d'administration de la CIA. Les objectifs du groupe d'enquête sont les suivants: organiser et diriger les ressources de renseignement entre les agences gouvernementales de la coalition et les forces armées, mettre à profit ces ressources afin de découvrir, acquérir et exploiter des informations sur les personnes, structures et opérations liées aux armes de destruction massive, préparer et diriger des opérations militaires visant à étudier et exploiter les sites des ADM sur le territoire irakien. Le groupe d'enquête est sous les ordres de CENTCOM. Ok. Parlez. Oula. C'est des baudriers, ça. À quoi ça va nous servir, tous ces machins? On va faire de l'escalade? Qu'on soit mobile. Il faut qu'on soit paré. C'est un entrepôt souterrain, peut-être en cours de construction. C'est plus sûr comme ça. Si vous voulez que ce soit plus sûr, donnez-moi donc plus de flingues. Vous avez le vertige? Dites-moi, caporal, vous avez le vertige? Hey, vous m'insultez là. Je suis formé au saut en parachute, avec ouverture à basse altitude. Ah. J'ai bossé dans des conditions où la plupart des mecs auraient appelé leur mère. Quel joli palmarès. J'espère que vous n'êtes pas qu'une grande gueule. N'hésitez pas, putain de gratte-papier. Quoi que ça dit là? Alors, ça c'est quoi? Une tasse. Ok. Nous on veut le papier qui est dessous. Ah, secret, confidentiel. Groupe enquête d'Irak. Mail. Bandit en activité, région de Soran. Attendez, j'ai envie d'éternuer là. Oh, ça vient pas. Disparition de deux travailleurs humanitaires, région de Soran. Ça y est, c'est arrivé. Pardon. Nom des travailleurs: Yves Pogjam plus Marie Vinet. Échec de prise de contact il y a 2 semaines. Humanitaire présumé, dépouillé et tué. Fin de message confirmé. Ok. Ah, je suis les allergies là encore là. Ouais, journal. Oui. Actualité monde. Mission accomplie. Le président Bush déclare la fin des hostilités en Irak. Manny Sherman exécuté. Le tueur s'est montré peu coopératif durant ces dernières heures. Ah, c'est George Bush.
Ah merde, pas eu le temps. C'est téléchargé. On va aux hélicos. Chaud pour tout voir. En fait, pour tout. Quoi ? T'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi de ce type ? J'imagine que tu parles du commandant. Il est sympa. Mais par ici, ça sert à rien. Et toi, t'en penses quoi ? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. En fait, pour tout voir, il faut pas lire, en fait. Salim, Badra Mandali, 17h53. Salim Othman, lieutenant armé de terre irakienne. On va jouer un Irakien. Et citrouille, oui, c'est bientôt Halloween. Zane ? J'avais vraiment l'impression de jouer à Call of. Ah, c'est sympa ici. Alors, blason de l'université de Highgate. Monsieur Zane Othman, 112 Badra Mandali, Irak, 3 mai 2003. Candidature chez Zen. Le comité a accepté votre candidature à une licence en mythologie à l'université de Highgate pour l'année académique 2003-2004 qui commencera le 2 septembre 2003. Pour valider votre inscription, vous devrez toutefois accepter de satisfaire aux conditions suivantes. À défaut, l'université annulera votre candidature. Achevez votre parcours universitaire avec les notes et mentions suffisantes. Obtenir un visa d'études auprès du ministère de l'Intérieur britannique. Nous sommes conscients que le contexte géopolitique actuel peut compliquer l'obtention de votre visa et votre entrée au Royaume-Uni. Soyez assurés que l'université fera tout son possible pour vous assister dans vos démarches. Depuis plus de 20 ans, l'université de Highgate est fière d'accompagner de jeunes talents de tout horizon vers la réussite pour leur permettre de s'épanouir dans leurs études et leur parcours professionnel. Nous vous ferons un plaisir de vous suivre dans cette entreprise, sincèrement, Andrew McAllister. Ah, tu es allé plus loin que quiconque dans d'autres familles. Je suis fier de toi, Zane. Décroche le diplôme, ton père qui t'aime. Ah, c'est mignon. Il n'y a rien à l'entrée. Oula, caméra de l'enfer. Joyeux anniversaire, Zane. Quoi, ça, oui. Mon garçon devient un homme avec tout mon amour, papa. Son père est à fond. Il est fier de son fils. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est passé un truc, là. Ah. Quelqu'un qui est rentré là. Vas-y, marche dessus. Ah, il y a des pièces là-bas encore. Là, on va pas sortir. La caméra, elle est bizarre, je trouve. Elle est trop rapprochée. Ça me floute les yeux, sérieux. Là, y a rien. Tu veux dire qu'il n'y a rien du tout dans cette pièce? Ouais. Zane. Voilà. Mythologie de l'ancienne Mésopotamie.
ولسه ما كبرش من الخرافات دي. Attends. Ouais, non, je vais pas lire tout ça. Hein. Pas les coller non plus. Je vous le laisse comme ça. Vous mettez pause si vous voulez lire. Quand c'est pas important, je lis pas parce que. Une carte du Royaume-Uni. C'est le Loch Ness, ça? Un chat noir en bas. Black Cat, ça. Oh, Robby, is he in Tanny? Kahbel. Qu'est-ce qu'il a fait? الو انا سليم 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 غاركون ابو زين طبعا رجعت ايوه رجعت هو زين مع مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير qu'est-ce qu'on dit trouvé des biens volés ou j'ai un cadeau pour lui. لا كله مش كويس لقيت الحاجات اللي سرقها وخباها طارق وزين يا رب مش ده كمان قلت له 100 مره زين قال لي انه بطل الحاجات دي وعدني ننده البوليس ايه لا مش عايزين الصيع دول معانا انا هتعامل معاه في معرفتي انت بس قولي لي هم فين أول ما يدخلوا من الباب تقولي لزين أبوك عارف أنت عملت إيه قولي له أبوك غضبان منك هذيك كوني لفيس لا يا ديني مش دلوقتي va falloir qu'il parte كابتن بصري أهلا أنا لازم أتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو؟ يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم؟ مطلوب تأكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا de trouver mon fils. ما اقدرش اعمل ده يا فندم. ابني محتاجني. ده امر يا جندي. مش طلب. اولى. ده واجب عليك. فهمت. هرجع البيت قريب. خلاص يا دار. دي آخر مهمة. Coyote 2, ici Melman 2, 1 actual. Et on approche, prépare le silence radio. Terminé. Bien reçu, Melman 2, 1 actual. Renfort aérien en stand-by. Bien reçu, terminé. En cas de besoin, on est là. Rendez-vous de l'autre côté. Attention, passage immédiat au silence radio. Terminé. Oh! Ah d'accord. Il a une jambe en moins, lui. C'est prêt, les gars. On va pas tarder. Eh, hey, Merwin. Ta mère est triangle des Bermudes ou un point commun. J'ai hâte de savoir lequel. Les deux à Val des Marines. Ouais, elle est pas mal, Joey. J'en ai une. Ta mère est tellement crade. Que rien qu'en me parlant au téléphone, elle m'a refilé une otite. Putain, tu l'as gardée depuis longtemps? Ouais, ça fait rire. J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère. Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur la mission. Hé, hey,
Il n'y a qu'un endroit où j'accepte de recevoir des ordres d'une femme, d'accord? C'est dans mon plumard. Oui, il va mal finir. Laisse entrer les femmes dans votre chambre? Faudrait pas la rendre jalouse? Eh ben, Rachel. Eh hey, pourquoi vous rigolez tous? Sergent Kay, il faudrait établir le contact avec le PC des SDCA toutes les 4 heures. Sergent Kay, c'est bien compris? Ouais, j'ai figé. Contactez le PC toutes les 4 heures. Je peux compter sur toi? Hey, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais il faut le mettre de côté. J'ai besoin de toi, ici. Je peux compter sur toi? Je te le demande une dernière fois. Je peux compter sur toi? T'inquiète pas. Tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi, Nick. Quoi qu'il arrive. Je sais, mec. Ne l'oublie pas. Semper fi. Semper fi. Semper fi. C'est quoi, une devise de Boy Scout? Un truc de Marines. Ça veut dire toujours fidèle. Et donc, ça porte bonheur? Il y a plein de superstitions chez les Marines. Quoi, par exemple? Par exemple, il faut jamais se retourner quand on descend d'un hélico. Sinon, on maudit l'équipage. Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Mais vous avez peut-être raison. Mais objectivement, pourquoi prendre le risque? Toujours regarder devant soi. Regarder derrière soi en plein combat, c'est la garantie de se faire descendre. On peut y aller, les gars? C'est pour ça qu'on nous a envoyés ici, et vous pouvez me faire confiance, on va réussir. Ça, tu l'as dit, mon pote. Ouah! Ouah! كابتن بص هناك. يعني صحن الخنازير بيطيروا هيهبط لي بور كاريمون. L'Américaine! Elle a massacré l'Américaine Gump! Chef, on est repéré! J'attends vos ordres! On se disperse et on attend. On se disperse et on attend! On va les baratiner un peu. Moi je dis ça pue. Héroïs, c'est bon. Complexe sécurisé. Les prisonniers coopèrent. Bien sûr. Le caporal Merwin disperse de la fumée jaune sur la ZA et ramène le colonel. Tout se passe bien pour l'instant. Ce raid est un fiasco. Ces gens ne sont pas nos ennemis, mais de simples bergers. Heureusement que j'ai pas dit d'attaquer. Lieutenant Kolchek, votre rapport, s'il vous plaît. Aucun tir, chef. Aucun blessé. Ferme sécurisée, on s'occupe des prisonniers. Des prisonniers ?
Vous avez repéré une entrée du silo souterrain ? Négatif, chef. Si on a une, c'est qu'elle est bien cachée. S'il y en a une ? Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant ? Nous le trouverons. On doit encore faire une inspection complète. On le trouvera, chef. Vous avez pris un risque en négligeant l'effet de surprise, lieutenant. Et on dirait que ça a payé. Pas de blessés et un travail propre. Merci, chef. Mais maintenant, les poches de résistance irakiennes doivent être en alerte. Mon équipe est parée à tout, colonel. Ça s'est bien passé. Ah bon ? Ce lieu est plus sécurisé que le sleeping pit. Inutile de finir cette phrase, caporal. On lance l'interrogatoire ? Ouais, évitez quand même les questions trop complexes. Allez. On ouvre l'œil. Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant. C'est compris. Je sais pas pour vous, les gars, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ah ouais ? Est-ce que ça serait pas la légendaire intuition féminine ? Ouais, vous voulez voir ce qui arrive quand on s'en moque ? Ne bouge pas. Je vais seulement te fouiller. Oula, lui. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Quels sont vos ordres? Vos ordres, chef? Attendez, je m'en occupe. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Oula. C'est quoi ce truc ? Une espèce de totem. Certainement païen. Ida. هتعرفوا قريب. Saloperie de magie vaudou. Saleté de vaudou de merde. Kéfer. Fais gaffe. Mais merde. J'étais sûr qu'il se passait un truc comme ça. Je croyais que vous aviez sécurisé la zone. Faites votre boulot, merde. Bon, j'avoue, c'était vraiment trop la classe. Ouais, je crois qu'il est mort. Hein. Interroger les bergers. Pas par là. Dis-moi où se trouve le silo. Il avait une arme, madame. Tout le monde est armé dans ce pays. Je tiens à m'excuser. On aurait dû faire plus gaffe là-bas. Ça n'arrivera plus. Plus sérieusement, bravo pour le tir. Je vous revaudrai ça. C'est le sien ? دي بندقية كبيرة قوي يا أخ. أكتر من اللي أنت محتاجه للغنم. فين مدخل المخزن؟ Non. Refais-nous ça et je te découpe en petits morceaux pour nourrir ces saletés de chacal. Pas de violence dans cette vidéo. Il y a d'autres prisonniers ? Ouais, dans l'autre cabane. Suivez-moi. Ne le quittez pas des yeux. Sinon, je crois que t'as le Covid sur ton visage, madame. Covid ou pire. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. D'accord. J'aime pas la caméra, sérieux.
inspectiez toute la ferme. Ah, là, c'est mieux. Dans le bâtiment, j'aime pas. Hein. Elle est trop proche. Alors, qu'est-ce qu'on doit fouiller ? Il n'y a rien à inspecter, là ? Il faut parler à lui. Ouais. Il n'y a que dalle, ici. Une remarque à faire, sergent ? Regarde le sol. Tu vois quoi ? Que dalle. S'il y avait un silo, où sont les traces ? On est juste en train de tâter le terrain. Son précieux Kélus raconte n'importe quoi. Il faut suivre les ordres, sergent. La mission n'est pas terminée. Compris, chef. Je peux rentrer ? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici, il y a des masques à gaz. Pas très normal, ça. انا بشخص الحكومه الامريكيه. انت في موقف صعب جدا. مهم انك تقول الحقيقه. فين مدخل المخزن؟ Je crois qu'ils vont jamais répondre. Bah voilà. De l'héroïne. Ah. De mieux en mieux, dites donc. Ces types sont des voyous sans intérêt, mais qu'est-ce qu'Eric avait en tête ? Fouillez-moi tout ça de fond en comble. Oh putain. Ah, merde, je suis touché. Ah, les enfoirés. Ouais, c'est la merde. J'ai pas tout compris là. Non ! Merde ! Pourtant j'ai appuyé hein. Je sais pas ce qu'il fallait viser mais. C'est pas passé loin. Wouh ! Réveille un peu hein. Marcel ! Où tu es ? Marcel ! Enculé ! À deux mots ! À deux mots ! À deux mots ! Putain ! Connard ! Arrête ! Les salopards s'accrochent comme des tiques. Je vous attends, bande d'enfoirés. Ramons ces ordures au phosphore blanc. On peut pas l'utiliser contre des gens. C'est plus quand c'est rouge que tu peux tirer en fait. Ferme ta gueule une petite seconde que je réfléchisse. Réfléchis à quoi, hein? On se fait massacrer. Permission d'utiliser le phosphore. On les brûle. On les crame. Ah ouais quand même. Je vais les contourner.
Vous me couvrez, je vais récupérer Joey. Ça, faut être rapide, hein. Oh là là. Le mec c'est Rambo. Je crois que je vais crever, Nick. Ouais, je crois bien. Ah, hein. Mais arrête. Je sais que ça fait mal, mais tu vas pas crever. Tout doux, du calme. C'est une petite égratignure. Ne bouge pas. Menteur. Au revoir. Allez, un de moins. Attendez, bougez, ripostez. Nom d'un chien. Attention, ici Dropkick, silence levé. Je peux avoir un rapport sur le contact, terminé. Dropkick, ici Killjoy 2. On est pris pour cible, on va se cracher. Les cibles sont dans la zone d'atterrissage. Ouais, bah je crois qu'on a plus d'appui aérien. Hein. Oula! Couche-toi par terre tout de suite ou je te jure, je te colle une balle dans la tête! Non, je tire pas dessus. Je suis pas salaud. Personne ne parle notre langue. Oh merde. Mieux vaut pas tromper. Je vais pas tirer sur ton pote alors. Je ne veux plus tuer. C'est pas possible. Rachel! Rachel! Oh merde! Oula. Et voilà, nous tombons dans l'inconnu. Grotte de sable, 19h02. Les emmerdes commencent. Et voilà, la suite dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Tchuss !